anglaise, on m'appelle Ndele, parce que je suis le blanc bec de service, tu vois. Donc j'ai un peu grandi avec ce blaze, et je voulais aussi rendre l'appareil aux gens, et faire un morceau justement à la fois festif, parce que je pense que l'espoir est de mise aujourd'hui. Mama Nangae, c'est à Mundele, Eza Eminem déguisé trop dansé. Pour les tontons et les papas qui sont bien rasés, pour les tontines qui défilent en wax hollandais. Il y a des chinoises parmi les quinoises, mondialisation, colonisation de masse. J'ai grandi sur le square Léopold, mais je nourris l'espoir au lieu de plier le sol. Celui qui a héritier de cette histoire de colonisation, d'un tas de choses difficiles à assumer aussi en tant que jeune belge, parce qu'on se dit putain nos grands-pères qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, et aussi bien les jeunes congolais. Donc je pense que nous on doit apprendre à tourner la page ensemble et se braquer vers l'avenir, essayer de faire des choses pour développer le pays. C'est pas normal qu'aujourd'hui en 2011 il y ait un pays qui ait énormément de ressources naturelles, qui puisse être en autogestion totale mais qui dépend de tous les autres continents, de tous les autres pays qui viennent gratter. Donc il y a vraiment un problème politique avant d'être un problème citoyen. Mais je pense que les artistes aussi, on est là pour faire bouger les choses. Et voilà, dans mon clip, je retrace des images parodiques de Tintin, du roi Baudouin qui se fait prendre son sabre, tu vois. Parce que pour moi, c'est important aussi d'avoir un côté humoristique, mais aussi revendicatif par rapport à l'histoire. D'en haut en bas, comme ça. J'ai été pour la première fois l'année passée pour l'indépendance. Et en plus, j'ai été avec la délégation royale. Donc c'était le choc, quoi, tu vois. La première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, je devais avoir 22 ans, 23 ans. J'étais au Zimbabwe pour la première fois. Et là, ça m'avait fait... C'est vrai que le Congo, et plus précisément Kinshasa, j'ai senti quelque chose, mais malheureusement, je suis restée que 72 heures. Par contre, s'il faut faire la comparaison entre d'autres pays d'Afrique, je vais prendre les gens avec qui nous sommes en conflit direct, par exemple le Rwanda. On aura bon dire, moi personnellement, je le dis, je le répète tout le temps, je n'ai rien contre le Rwandais, c'est un Africain comme un autre. C'est juste que là, le pouvoir actuel, on est en train de nous monter les uns les autres, donc la division pour mieux régner. La Belgique, l'État belge devrait avoir plus de responsabilités par rapport à cette colonisation. Il n'y a pas de grande différence entre nous. On est avant tout africain. On a les mêmes traditions, les mêmes valeurs et les mêmes goûts pour chaque chose. Viens un peu s'il te plaît. Nous deux, on ne vient pas du même pays, mais au fond, on aime les mêmes choses. Moi, comme elle, j'adore le pandou. La semoule, ça vient de chez nous. Peut-être que même si elle, elle n'aime pas, mais tous les hommes de chez nous aiment la primus. Et ça, je le sais bien. Il faudrait qu'il y ait un impôt national de chaque citoyen belge, qui soit d'origine congolaise, marocaine, turque, pour aider le Congo, parce qu'on a quand même une responsabilité. On est venu piller ces gens, on est venu imposer un dieu, retirer certaines croyances, ben ça se paye aussi, quoi. On vous en dit pas, mais soyez soumise. Ça se passe, ça va bien. Ça m'a marqué à vie, quoi. Dès que j'ai mis les pieds sur le tarmac, quand on est arrivé, j'ai senti un truc, je me suis dit, il faut que je retourne. En fait, c'est chez moi, ici. Ouais. J'avais l'impression d'être déjà venue, quoi. Tu sais, les bruits, les odeurs et tout, comme elle dit, français, c'est un spectacle. Tout ça, c'était quelque chose de, je sais pas comment on dit, le déjà vu. J'avais l'impression d'être chez moi, en fait. Le Congolais est à des années-lumière en arrière par rapport à eux. Pourtant, nous avons des intellectuels au Congo. Pourtant, nous avons même des vieux à nous qui sont ici, qui ont des diplômes, mais leur intelligence se manifeste où? On ne sait pas. Les jeunes n'ont pas de repères. Alors, on retombe encore une fois dans ce cycle qui n'en finit pas. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'exemple devant moi pour suivre, je vais faire comme les autres font. Je vais suivre le mauvais exemple. Ou je vais carrément aller où il n'y a pas d'exemple. Je serai une brebis perdue si je dois parler en termes de spiritualité. Donc, expliquer comment ça se passe ici, à leur donner une image de l'Europe,
comment ils pensaient que les gens qui étaient ici trouvaient l'argent par terre et qui vivaient agréablement avec cet argent. Alors ils disaient oui, mais vous là-bas, vous ne nous aidez pas. Et je commence à leur expliquer qu'il y avait aussi des gens qui étaient africains, qui étaient noirs, qui étaient clochards, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas de boulot, qui parfois ils arrivaient ici, la famille au pays mettait la pression, donc ils faisaient semblant qu'ils gagnaient des millions, qu'en fait ils gagnent rien et qu'ils sont obligés d'envoyer de l'argent, mais qui ne vivent pas forcément de manière agréable, entre guillemets. Je me suis retrouvé à leur expliquer des choses comme ça. Mais le fait que nous sommes à l'extérieur, on peut célébrer cette journée-là. On peut penser aux morts de gens qui ont combattu pour avoir cette indépendance. À tous ces gens qui ont voulu ramener une certaine démocratie dans ce pays. À tous ces gens qui continuent à essayer d'avoir la vraie indépendance. Nous pensons à cela. C'est et je leur avais donné rendez-vous à 4 heures. 4 heures, il devait être une vingtaine. À 4 heures, il y en a un qui est arrivé. Il est resté là, il attendait les autres. 5 heures, il y en a 3 qui sont arrivés. Et puis, genre vers 6 heures, j'en ai eu marre parce qu'ils n'en étaient qu'à 3. J'ai dit, bon, on ne fait pas la réunion. Les gens ne sont pas là, donc on arrête. Et à 8 heures, ils étaient tous là. Et en fait, après, je commence à leur expliquer, ouais, mais tu vois, les horaires, là, 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 là. Et en fait, après ça, je me suis senti mal parce que je me suis dit, mais en fait, c'est mal ça parce que c'est un peu ce qu'eux, ils espèrent. Ils espèrent tous que les gens venant d'ici, on retourne là-bas pour les aider, pour remettre les choses en place. Et je trouve que, de ma part, c'est prétentieux de prétendre que moi, qui suis ici, de cette connaissance, entre guillemets, occidentale, je peux arriver là-bas et éduquer les gens. Je trouve que c'est vraiment prétentieux. Et je pense que les gens qui ont un discours comme ça doivent faire attention. Parce que autant nous, on peut apporter des choses, autant qu'eux, ils peuvent nous apporter des choses. Venez, ah, ça n'a pas la commerce à bon doudan. Maman, yo. Pour les bandous de... Ah. Il y a quelqu'un qui a pris les bandous de 1500 et l'autre... La joie de vivre, des bonnes discussions, on a toujours envie de refaire le monde et faire plein de choses. T'as cette espèce de... Ça c'est fort fort chez les Congolais, cette espèce de droit d'aînesse, là, tu vois. Oui, celui c'est ton grand, l'autre c'est ta tantine, l'autre c'est ton tonton. Tu sais, au début tu comprends pas, tout le monde c'est ton tonton, ta tantine, tu comprends pas. Tu dois appeler tout le monde tonton, alors que tu vois, il y a un peu ça. Y a le côté positif, c'est ça. Le côté négatif, je pense qu'on n'est pas assez unis, quoi. On n'est pas assez unis, et si on était un peu plus unis, comme d'autres communautés, pour ne citer personne, je pense qu'on pourrait aller plus loin. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de choses à faire. Tu vois, chacun fait ces trucs, quoi. C'est dommage qu'on n'arrive pas à unir nos forces pour faire un gros truc ensemble. Ensemble, moi, c'est ça qui me manque. Baba est polap na, oh, gozo kap na. Kiri na mogo transfer au bongate. C'est juste le refrain. Parce que je trouvais pour les 50 ans, il y avait tellement de trucs qui avaient été repris avec l'indépendance tcha-tcha, machin et tout. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec cette espèce. L'esprit de l'indépendance tcha-tcha en soi, je suis pas vraiment d'accord à 100% avec ce truc. Travailler, prenez de la peine pour. C'est le fort qui manque le moins. En gros, c'est là qu'elle se trouve. C'est dans le travail de chaque Congolais, dans le travail de chaque Africain. Donc faire ce texte un peu « La vie est belle », c'est se dire faut pas se lamenter. Faut pas se lamenter. Et je crois que le Congolais, j'ai jamais rencontré un peuple plus positif que le Congolais, finalement. Et je pense que le Congolais, c'est ça qui le symbolise plus que indépendance tcha-tcha-tcha, pour moi. J'ai vu qu'il y a un joueur qui s'appelle Lukaku. Je connaissais pas, moi, je suis pas trop dans le foot. Et il est jeune, c'est l'un des meilleurs joueurs belges, enfin africains. Et je trouve ça génial. Nous, on connaît pas assez. Je trouve qu'on se connaît pas assez. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi proposer pour qu'on puisse s'unir. Je pense que la chose qui nous unit, la musique. La musique en général, quand je vois ce que Fally, Kofi, des gens comme ça arrivent à brasser comme public, je trouve que c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à en faire des choses un peu plus, tu vois. Prennent plus position par rapport à certaines choses. Je pense que via la musique, on peut peut-être... Le théâtre, c'est quand même déjà un peu... C'est difficile de ramener notre communauté au théâtre. Faut arriver à l'heure, tout ça.
Foster. Est-ce que la musique, on peut bouger, on peut saper, on peut montrer que non, voilà, là, t'es dans le noir. La musique, ouais, je pense que la musique peut nous unir. Ouais, c'est bien moi, mon dieu, la fermeté de la colère et de l'or de la beauté. On doit loin, tout, c'est moi. Le gros s'appelle, je pars. Et toi, Bédengaya, je vais mater, je vais bousculer l'homme qui bouge dans Paris. Oh, je suis là, bon. Là, comme vous voyez, ça c'est un. C'est le Dolce & Gabbana. Moi, je porte que les habits qui défilent. Donc, c'est moi, parle le français, vous me connaissez déjà, vous m'avez déjà vu. Voilà, merci. Et on continue pour mater Bédengaya, on va bousculer. C'est l'homme qui bouge, mon dieu, la Firenze. C'est bien moi. Dans lesquels on grandit, font tout pour nous faire oublier qui nous sommes en réalité, font tout pour nous éloigner. Donc, si on laisse nos enfants, si on nous laisse nous-mêmes dans les institutions comme ça, sans remédiation, là aussi ça ira pas. À développer la paix entre nous, ou l'envie de voir l'autre progresser, on ira nulle part. Africain les gars, c'est tout. J'ai rien à rajouter. Je pense que si on oublie certaines choses, on est forcément susceptible de les refaire. Et l'histoire est là pour ça, pour nous rappeler juste tous les trucs qui ont été faits avant pour pas les refaire. Cadrent leurs enfants au niveau de l'université, au niveau... Enfin, ils sont là, voilà. Ils ont formé un petit bloc. Pour eux, il n'y a pas de tuer mon Congo, tuer mon Louba. Non, il n'y a pas ça. Je pense qu'il faut préparer l'avenir et que jeunes d'origine congolaise, jeunes d'origine belge, toutes les origines, moi je suis anti-frontière. J'ai utilisé le terme de rééducation parce que ça fait trop péjoratif, mais je veux dire vraiment... Oui, pourquoi pas, ou retravailler, voilà, retravailler la mentalité. Sauf que l'indépendance, ça n'a pas vraiment changé beaucoup de choses. Je suis en train de préparer ce qu'on appelle un atelier intergénérationnel où le jeune et le vieux vont essayer de se parler pour voir comment est-ce que nous pouvons faire afin que nous puissions avoir cette future-là glorieuse. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous essayons de travailler et de mettre les choses en place, et avec Dieu de notre côté, on arrive.